pas les crânes. Brandon est triste. Et voilà le départ de la course de F2, il y a des pilotes qui sont pas partis derrière, c'était assez compliqué. Allez, premier virage, faut être sur toi de faire play. Oh, le premier virage, attention, Delta Fire, non, Delta Fire qui pousse. Oh là là, safety car, on a des voitures en tonneau. Oh là 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 là, safety car, on a zéro. Oh là là, safety car. Red flag, on a deux pilotes out. Red flag dans cette course. Incroyable le scénario, on ne se dépasse plus. Oh, qu'est-ce que fait Lunsix en tête à queue? Non, mais les gars, dans Lunsix, Bazookito, franchement, gars, vous avez merdé, les gars. Mais non. Allez, vous pouvez arrêter à la fin de la pit lane. Tant qu'on vous dit pas de. Vous pouvez vous arrêter, mais vous devez vous arrêter à la pit lane, on vous dira quand vous pourrez partir. C'est pas dépassé, hein. Attendez, c'est dépassé. Allez, on s'arrête sur la grille. Arrêtez-vous, on s'arrête. Les pilotes, vous devez vous arrêter ici. Voilà. Allez, le restart de cette course. Repartir. On n'a pas beaucoup de pilotes sur la grille. On n'a pas beaucoup de pilotes. On va leur dire. On mettra des coups de pioche quand ils pourront partir. Pour l'instant, ils peuvent pas. Le deuxième départ, Macu qui a fait un petit faux départ. On dit quand ils peuvent partir. Et c'est bon. C'est parti pour les autres. Bon, ils peuvent partir. Attention ici. Et le deuxième départ, Lézard qui reste deuxième cette fois-ci. Bazookito dans le mur. Oh non, c'est moche. La voiture là qui a envoyé un pilote derrière, attention Macu. Non mais les gars, freinez, vous avez zéro fair play les gars, dégagez vraiment du championnat si c'est pour faire ça. Macu, zéro fair play aussi, Macu qui fait un retour en piste, c'est n'importe quoi. Alors laissez passer Macu là. C'est n'importe quoi. C'est juste que j'ai passé à travers mon pied. Les deux pilotes. Mais merde, tu dois freiner, c'est pour ça. Et regardez, du coup ils sont côte à côte, laissez-vous la place. J'ai freiné, j'ai attendu que la barrière soit fermée. Ben normalement t'étais ressorti, t'avais pit derrière ma cul, donc il devait ressortir devant de toute façon. Donc regardez là, c'est fair play. Oh Rubio, attention, non, mais Rubio. Et ça va, ils arrivent à rester sur la piste quand même. Mais Rubio il a bien serré quand même. Et à l'extérieur, il va faire l'extérieur. Oh magnifique, oh la manœuvre. Incroyable, il a fait l'extérieur à Rubio. Oh c'était beau. Out, c'était vraiment n'importe quoi, c'était l'anarchie, les pilotes ont fait n'importe quoi. Delta qui va peut-être plonger là sur l'N6. Là entre Rieur Arbitre, il me semble, et Rubio. Rieur Arbitre qui a fait un extérieur. C'était peut-être un des dépassements de la saison. Non, Macu là il aura un petit point de corps. Macu c'est n'importe quoi, j'ai l'impression qu'il fait exprès de bloquer. Macu va falloir arrêter d'être au ralenti au point de corps. Oh regardez la bataille, Delta qui est passé sur l'N6. Il y a bien laissé la place à l'intérieur. Incroyable le dépassement de Delta Fire. On le rappelle, les deux leaders qui ont encore deux arrêts à faire. Alors que derrière, Delta Fire, il est libéré, il n'a plus qu'un arrêt à faire. Ils sont dans le sixième tour, ouais. Attention. Il va falloir réussir à regarder l'intérieur ici et laisser suffisamment d'espace et ça le fera. Oh, il va décroiser Bazookito. Le décroisement. Oh, ça se laisse de la place et ça. Attention, Bazookito, attention. Et ça se laisse de la place et c'est ça qu'on veut voir. On a enfin une belle bataille en F2. Incroyable, Bazookito qui passe à l'intérieur. Quelle bataille entre ces deux pilotes. Le Six qui perd place sur place, mini fair play au moins. Oh là là, c'est incroyable cette course là qu'on est en train de vivre. HMZ qui prend un peu de l'écart. On est dans le 7ème tour. Le Six qui essaye désespérément de passer. Oh, le Six, il tente à l'intérieur. Le Six à l'intérieur sur Bazookito, ils sont dans le mur. Bazookito, ils sont dans le mur. Voilà. Et voilà, HMZ, on voit qu'il passe ici. On voit les deux leaders de la course. Delta Fire qui est pas loin derrière. Il peut jouer la victoire, ça joue à pas grand chose vraiment. Ils sont en entame le 9ème tour. Là, ouais, Lunsix, Bazookito qui a perdu le temps. Bazookito qui s'arrête. Ils ont deux arrêts encore eux. Ouais, mais ils ont deux arrêts. Lunsix et Bazookito en ont encore deux. Et Circus, lui, il n'a plus d'arrêt. Circus n'a plus d'arrêt au stand. Ça va ressortir au même niveau. Ah, Circus, il avait pas fait son erreur, il aurait pas ça, mais attention à la bataille dans les prochains secteurs. Non, il protège l'intérieur. Allez, Kiki, attention. Ah, cette vue, elle est belle. C'est une bonne défense. Kiki qui fait une de ses meilleures courses pour l'instant. Et Circus là, 26 que. Oh, Circus en tête à queue, le retour en piste. Là, Circus, il est en train de perdre sa course derrière 26. Il est en train de perdre littéralement sa course, ils sont en 11ème tour. Il pouvait voler. Ouais, il y a un bug avec la copie de la map.
Encore une fois, c'est proche. Encore une fois, c'est proche. Mais en fait, Zeku, il veut trop plonger. S'il n'avait pas plongé, il serait passé sur Kiki. En fait, les pilotes, ils cherchent trois plongées, mais quand ça protège l'intérieur, c'est. Les deux leaders au stand. Les deux leaders au stand. Les deux leaders au stand. C'est là le moment décisif de la course. Non, mais qu'est-ce que fait HMZ? Qu'est-ce que fait l'unsafe release d'HMZ? HMZ qui est en train de perdre sa course. Il a fait un unsafe release. Non. Oh, HMZ est en train de perdre la course. Non. Il est reparti alors qu'il y avait un pilote derrière. Quatorzième tour, oui, c'est ça. C'est bien ça, HMZ. Je crois que j'ai dit 13 il y a pas longtemps, mais je sais plus. Allez, l'unsix qui rentre au stand. Dernière arrivée pour l'unsix. Circus, lui, c'est bon, il est quatrième de la course, il a plus d'arrêt à faire. Ah. Quelle course qu'on a eu là, on avait vraiment une course mouvementée. Attention, Xeko qui tente. Ouh là là là, c'est chaud, c'est très chaud dans les rues là, de Hawkins. Attention à la possible erreur de Delta qui pourrait nous offrir une bataille entre lui et HMZ. Ouh, attention. Ah non, ça va pas le faire. Et top, ils entament le dernier tour de cette course, le dernier tour de l'avant-dernière manche de la saison en F2. C'est bon, HMZ qui ressort largement devant Lézard, mais qui a un petit écart avec Delta. Malheureusement, Mazukito qui rentre au stand. Est-ce qu'il va ressortir? Ah, HMZ qui vient encore de perdre une course qui semblait un peu imperdable, malheureusement. Et attention, Kiki Xeko. Attention à Kiki, attention à Kiki. Ce serait beau s'il arrive à garder cette position. Faut qu'il s'applique sur un virage et qu'il ressorte mieux, mais en fait il veut tenter à tous les virages, mais malheureusement on peut pas. Et Bazukito qui est ressorti devant l'Unsix finalement. Et voilà, à quelques tours ça sera joué cette course. Ça aurait été une magnifique course ici. Oui, il y a quelqu'un qui a fermé la porte, Alex. T'as pris le drapeau, hop, drapeau. Victoire de Delta Fire ici à Hawkins, victoire suisse en Amérique, devant un Marocain, devant un Belge. Victoire, quatrième, un Canadien. Victoire de Delta Fire ici à Hawkins. Incroyable, là, les fumigènes qui s'allument, les feux d'artifice. On rappelle, restez bien présents sur la chaîne de Le Fou après. On aura la F1. Incroyable, victoire. Cinquième. Ouais, cinquième place. Circus champion, Circus champion de F2, on l'avait oublié. Circus champion, ça peut encore jouer entre Kiki et Xeko. Xeko qui passe à l'intérieur dans le dernier virage. Oh le crash. Et attention, c'est qui qui va sortir devant? C'est Xeko qui est 6ème devant. Incroyable. Et Rulio qui se finira devant Rio Arbit. Et Maku qui finira en dernière place. Quelle course qu'on a vécue, quelle course incroyable. On va bientôt ouvrir, vous inquiétez pas, on va bientôt ouvrir. Okay. Victoire de Delta Fire. Non, arrête les arts de l'étang. Arrête, les arts. Voilà, donc on quitte la voiture, les gars, quittez la voiture, laissez-la là.